Bonjour mes petits, dans cette nouvelle séance d'activité de lecture, le graphème J, je découvre. Journal, tajine, judo, jardin, je répète. Journal, tajine, judo, jardin. Alors, quel est le son qui se répète dans ces quatre mots? Oui, c'est le son je, ou bien le phonème je. Très bien. Et maintenant, observez bien l'écriture cursive du graphème J. Voilà l'écriture cursive de la lettre G. On passe au découpage syllabique des mots. Journal. Journal. Tajine. Tajine. Ta jean. Judo. Judo. Jardin. Jardin. On répète. Alors répétez après moi en claquant les mains. Journal. Journal. Tajine. Ta. Jean. Judo. Judo. Jardin. Jardin. Très bien, bravo à tous. Et maintenant, on va lire les syllabes. Je, j, ja, jo, ju. Ige, oge, ege, age, uge. Un jus. Des bijoux. Des jumelles. Un jus, des bijoux, des jumelles. Maintenant, regardez bien cette image. Quels sont ces deux personnages? Oui, ce sont Amira et Idir. Très bien. Que porte Idir? Idir porte sa djellaba jaune. Et Amira porte une jolie jupe. Alors, suivez avec moi attentivement ce petit texte. Le jour de Eid al-Fitr, Idir porte sa djellaba jaune. Amira met sa jolie jupe et ses bijoux. Elles sont tous les deux joyeux. Je répète. Le jour de Eid al-Fitr, Idir porte sa djellaba jaune. Amira met sa jolie jupe et ses bijoux. Elles sont tous les deux joyeux. Alors, à la prochaine fois, Inch'Allah, vous allez lire ce petit texte correctement, Inch'Allah. Au revoir, à la prochaine.